Yeah. Donc là, j'ai tout laissé en brut hein, pour qu'on voit un peu ce que vous vouliez faire. La possibilité de centraliser sur cette zone-là, ouais. D'utiliser l'ensemble, tu vois. C'est vrai qu'après, moi, dans l'idéal, c'est de pouvoir tourner autour à l'extérieur et passer à l'intérieur en même temps. Quoi. Donc il y a une batte, un bassiste, un cornettiste. Yes, et après, Cécile et moi. Ouais. Ok. C'est pas mal de mettre la batterie ici, quoi. Dans ce sens-là, carrément. Ouais, si moi après je passe derrière. Et puis peut-être vous mettre peut-être ici. Cécile et moi. Ouais. Vas-y. Et puis peut-être la basse ici. Puis le... Donc l'idée c'est de pas utiliser le fond. Ouais, moi je vais peut-être m'en servir en passant comme ça. Après avoir. Donc on laisse ouvert ou pas? Ça nous permettait de jarter par exemple les panneaux. Tu vois, les panneaux, ok, là, d'accord. Je vais les foutre dedans et on peut fermer. Et bah carrément. Tout ça, on a un beau carré, quoi. Qu'est-ce que tu mets déjà comme parfum et que ça me rappelle une odeur? Ah ah, ça te rappelle une ex? Ah ouais, exactement. J'ai ma tricard direct. Ah, j'ai vu les petits yeux qui brillent. Ah, écoute, je suis très nostalgique, moi. C'est quoi, musc? Comment ça s'appelle? Ouais, le musc blanc. Ouais, c'est ça. Ouais. Musc blanc. Ouais. C'est quoi, c'est un parfum? Ouais, c'est son parfum. Enfin, je sais pas si c'est ton parfum ou une crème que tu mets. Non, c'est le... Ouais, c'est le toilette. Ça fait combien de temps? Presque 13 ans qu'on est ensemble, je sais même pas ça, quoi. C'est assez récemment, d'accord. En fait, c'est ce que je mettais quand j'étais en Australie, ouais, quand j'avais 16 ans. Tu sais quoi? Elle se fout de ma gueule parce que j'ai racheté le Menem déodorant que je mettais quand j'étais ado. Ouais, mais genre, Menem, c'est un truc de Menem, supermarché. Dur. Ouais, c'est quoi? T'as quand même pas fait ça. Bah, si, c'est horrible. Ça va vachement bien. C'est ce moment. Mais non, c'est horrible. Mais non, en fait, tu sais quoi? Elle achète un truc Sanex sans odeur et tout. Mais bah oui. Moi, je fais pareil que toi. Moi, je fais pareil qu'elle. Jordan, merci. Le problème, c'est qu'on a tous des compositions chimiques différentes. Et moi, quand je sue avec ce déodorant, ça pue de ouf. Donc ça sert à rien de mettre un déo si ça pue en fait. J'ai un peu le même problème, je suis d'accord. Voilà. Et le Menem, ça ne pue pas. Le Menem. Ma grande passion, c'est d'aller dans les... En tant que parisien, je vais jamais dans les grandes surfaces. Et donc j'adore y aller pour Noël, tu sais, pour acheter les calendriers de l'Avent et tout. Et j'hallucine toujours sur les mecs, tu sais, qui s'achètent le pack de Noël, genre le Brut ou Scorpion. On faisait ça quand on avait 13 ans. Ben oui, on était hyper contents, c'était les premiers parfums. Mais bon, sauf que... Parfum, je pense que c'est le même quoi tout le monde, c'était pas Siki One, Calvin Klein, tout le monde a eu ça. Non, mais t'avais ça, t'avais le Polo Sport aussi. Ah, j'ai pas fait Polo Sport. Et nous, on avait Eugène. Et... Pour les filles? Bah ouais. Ah, je me souviens pas d'Eugène. Eugène. Non, moi je me rappelle qu'il y avait Siki One, il y avait le Polo Sport. Lacoste. Oui, Lacoste, ouais, Booster. Booster. Ça, tout le monde avait Booster. C'était la base. Donc ça veut dire que Cécile, tu l'avais réu? Et bah... Devant, quand même. Bah, ouais, même qu'elle puisse quand même bouger un peu. Ah, moi j'allais me mettre au micro, mais tu veux que je bouge? Bah ouais, ça pourrait être chambé. Bah après, okay, comme donc tu veux. Un micro, alors. Je sais pas, c'est comme puissant. Tu vas pas foutre la merde, hein, Jordan. Mais non, puissant. Vu que c'est un truc vraiment vidéo. Moi je m'étais dit, tu vois, on aurait pu faire aussi un truc, que tu vois, j'avais prévu ça aussi. On aurait pu faire un micro qui était visuel, qui lui donnait un look. Par contre, effectivement, ça l'oblige à rester dans les parages. Après, on peut faire aussi un micro main, mais du coup, forcément. Sinon, tu mets ce micro et en secret, on met un micro cravate. Non, on fait comme Mylène Farmer, tu sautes, mais un petit truc avec un petit tape là. Bonjour Médéric. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Médéric Collignon, je suis jazzman, enfin, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Oh non, non, non. Bon, si, d'accord, c'est ce que tu as demandé. Tu voudrais un petit peu de jazz dans La collaboration ne change pas ton essence. Je suis bien d'accord, la collaboration, ça en est toujours. Pardon, je reprends mon accent. Bonjour. Salut. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu veux, Nicolas? Oh, ça commence bien. Je fous rien. Alors ton taxi a un problème? Il y a une trottinette qui s'est jetée sur le taxi. Et tout va bien. Tout va bien. Le mec avait pas de thunes dans son porte-monnaie, du coup, ça me dit. J'ai grand la faute. On n'a rien à dire, on est dans une discussion très sérieuse là. Salut Cécile. On parle de tournée, on parle de déconfinement. On parle de. C'est pas Cécile. Alors c'est on a un. Ah oui, c'est Pumpkin. Salut Pumpkin. Oh, mais on va montrer ma mère. C'est vrai, elle dit Pumpkin. Oui, mais elle le fait pas intentionnellement alors que moi je le fais intentionnellement. Elle est espagnole donc elle a une excuse. Ah, pourquoi bah, c'est ça. Elle bon, écoute, je suis arménien donc je sais pas, est-ce que j'ai une excuse. Avec une belle mélodie sexuelle, sensuelle on dit. Je suis encore franc. C'est le masque, on n'entend pas bien. Parce que nous à l'époque, quand on était chez Sri, c'était l'enfer. On parle réseau maintenant, de téléphonie quoi. On fait des stories.
Enfin, il fait des stories. Putain, t'as pris une flûte de pan. C'est tes cousins de... C'est mes cousins du Chili, ouais. Et donc, c'est avec ça que Maverick fait l'intro des Roots. Ouais, c'est ça. Alors, Jordan est en train de dégoter la caisse claire. J'ai pas d'ambassadeur, j'ai que des empereurs. Ah ouais. Et sinon, tu crois qu'il y a une ambassadeur qui est montée sur notre snare? Faut qu'on regarde. On va regarder ça. Parce que la Power Stroke, elle est un peu épaisse. Et bah, en fait, nous, c'est vrai qu'on va avoir plutôt avoir une petite ambassadeur. Là j'ai l'ambassadeur, mais j'ai peut-être pris déjà un peu sur la DW. Ah, c'est pas grave. Ah ouais, c'est cool. Ah, c'est là en or. Comment dire, par un schéma un peu plus classique dans la musique, ouais. Il y a ce côté-là où t'as forcément cette question de légitimité qui se pose, et il y a beaucoup de gens du rap qui se pose cette question de légitimité, et c'est vrai que finalement cette légitimité elle arrive via des relations qu'on a avec des personnes qui nous la donnent, même si c'est pas volontaire, tu vois, de ta part, de se dire tiens, j'ai arrivé comme un chevalier et je vais adouber le style. De toute façon, c'est une question de confiance en soi, et c'est vrai que ça a changé énormément de choses. Il y a même des périodes où je vous proposais genre 3 versions par titre. Bah carrément, moi c'est ça aussi qui était super cool, de pouvoir finalement utiliser ce que t'envoyais et venir piocher ce qui m'intéressait, un peu comme tu peux le faire quand, avec le sampling ou ce genre de choses. De toute façon, c'est ça. Hein. Et ouais, donc, je trouve que ça a magnifié notre projet. Et voilà. Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il y a une petite larme? Non, je peux pas. J'ai fait beaucoup trop de vélo déjà aujourd'hui. Il a les yeux tout secs. Tout mon liquide est parti. Non, mais je le pense vraiment. Donc, je le dis à la caméra. Je pense très honnêtement que notre musique serait 1 milliard de fois moins bien si on n'avait pas rencontré Bastien en 2016. Oui. Mais clairement. Ça, c'est... Ouais. Ah oui, attendez, faut que je range. Non, moi, je t'avoue que je suis fasciné par le clap là. Hey, ça, là, est cool, hein. La cymbale clap, ça sonne bien de ouf. Elle est coquine, ça. Tu l'as entendu? Oui. C'est quand même assez... Ça, avec les micros, ce sera bien. Assez simple. Oui, sans doute. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, exactement. Qui me fait jamais cette blague? On est tous là. On est là pour toi, hein. Pour ton concert privé. Ah, c'est ça, il y a tellement peu de concerts qu'on vient voir n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'était gratuit, c'était cadeau. Par contre, pour toi, c'est 3-3, je pense que c'est 2-4. Hein. Si je me rappelle bien, c'est 2-4, ouais. Je l'écouterai après. Bon, de toute façon, on peut se le faire. Hein. On va se tester, ouais. Vous voulez faire comment? On part directement ça ou... Bah, tu dirais. Vas-y. Voilà. On part direct sur le... Sur l'intro? Sur l'intro, ouais. Ok. Vas-y. 3, 4. Boys, boys, boys. Boys will be boys. Boys, boys, boys. C'est la spie, j'ai assez gaspillé de gomme, y'a assez d'artistes. Parfois, je me dis que j'ai passé l'âge, puis je me dis fais tâche, puis bonjour. Putain, je suis pas bien. J'ai plus de son. Ça va? Et toi? Ça va. C'est toujours un peu bizarre de
découvrir des nouvelles versions de ses propres morceaux qu'on a taffé pendant des semaines. Tout en faisant. Non, on n'a pas des morceaux qui sont complètement différents au final. Tu manges encore un bonbon? Oui. Jordan, il vous pique tous les bonbons. J'en ai pris deux. J'étais à l'école avec Jordan. On faisait du skate ensemble et tout. On était tous jaloux parce que toutes les meufs étaient à fond sur lui. C'était le beau gosse de l'école. Mais t'étais moche, toi? Bon, j'étais difforme, je pense, vu que j'étais grand. Jordan, c'est toi qui pêchais toutes les meufs à l'école? Oh, mais c'était un truc de fou. Sérieux, c'est un truc de mal. Prise 1. Superbe. T'as mal partout? Ah, j'ai hyper mal au bras. En vrai, c'est ouf. T'as fait de la gonflette? Ouais. C'était là, quoi j'ai. Pardon? C'était quoi le plus compliqué pour toi? Bah, tenir, essayer de pas lâcher quand tu vois que tout est bien à 70%, 80%. Pas lâcher dans les 20 dernières pourcents du morceau. Et... Ouais. Mais on en a une qui est vraiment top. Ça met une petite pression quand même. Ça met une petite pression. Tu vois, il y a un petit accro de drum là sur la dernière. La dernière avant de bouffer? Non, celle-là. Non, celle-là. Celle qu'on vient de faire un petit accro après, voilà. Mais si, et sinon, et celle avant la pause, ouais. Elle était bien aussi parce qu'elle elle commençait beaucoup plus bas en. Mais par contre, vous n'êtes pas monté. Ouais. Jusque, tu vois, vous êtes moins monté, vous êtes resté un peu dans l'économie. Okay. Et du coup, le démarrage est quand même super parce qu'il y a aussi cette énergie que toi, t'aimais bien où tu disais que tu ne voulais pas forcément commencer trop up. Ouais. Sur le chapeau de roue. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant sur la. Sur la on ne peut pas du tout monter? Si, si, on va se débrouiller. Ouais. Ouais. Oh, ouais, c'est la musique, après, c'est juste une histoire de. Ouais. En réalité, mais ouais, de ce qu'il y avait avant. Après, c'était cool. Monter, s'amuser, hein. Juste, c'est le moi, j'ai, moi, j'ai même enregistré les répètes parce qu'en vrai, oui, ouais. Dans les répètes, il y avait des trucs super. Les deux en fait, que vous avez fait qui étaient. Ouais. Il y en avait des super. Hein. Il y en avait deux. Je voyais bien, ouais. Je l'ai senti, moi. En fait, dans les. Je sais plus, il y avait. Ouais, il n'y a pas le stress. Donc, dans les deux répètes que tu n'as pas filmé, il y a des trucs super aussi. Donc, je pense que ça se joue sur les trois dernières takes, plus peut-être les prises de répètes pour le son. Yes. Sachant que j'aimais beaucoup, moi je pense déjà rien qu'entre les deux dernières, vous avez votre affaire. Hein. C'est sûr. Ouais. Cool. Ouais. Mais respecte, je suis ton père. Tu vas me retirer 50 balles et tout de suite. Ah ouais, c'est ça. Respecte. Toi, tu filmes à chaque respecte fois les bons les anciens. Respecte les vieux. Arrête de faire ce truc. Tu te rends compte? C'est lourd à la fin.
Dans son âme, pas une seule fois. Non. On va plus jamais t'inviter. Il est méchant, Nicolas. T'es pas gentil. De toute façon, on a mis toutes nos économies dans cette merde. Tu crois quand même pas que tu vas rentrer en taxi avec cette gueule? On a cassé la tirelire. Ah non, qui se démerde. Mais c'est clair, il va rentrer en skateboard. Skateboard. Ça va, Bastien? Ça va super. Tu regrettes à fond d'être venu, non? Absolument pas. J'ai blues. Jamais passé un meilleur lundi. Oh, le lundi au studio. Fin de live session. J'espère que vous avez kiffé nous suivre au studio Question de Son. Nous, on a kiffé faire cette live session avec Nicolas Fox, Médéric Collignon, Bastien Burger, Jordan Koubi qui enregistrait, Sébastien Marquet qui filmait. Pumpkin, est-ce que tu veux dire un truc aux gens avant de partir? C'était charmé, c'était trop charmé. Cool, j'ai grave kiffé et ça m'a donné envie de partir en tournée avec eux. C'est ça, la future tournée à post-Covid-19. Peut-être qu'il y a des producteurs qui nous voient et qui croient en notre projet. C'est notre projet. Franchement, il y a moyen de faire les festivals de jazz, de faire le théâtre, de faire le festival de hip-hop. Non, franchement, c'est un projet de ouf. Si vous avez des billes, mettez-les là-dessus. D'ailleurs, faut qu'on paye les musiciens maintenant. Moi, j'ai le chéquier dans la main. On se revoit bientôt pour des nouvelles aventures. Encore merci à Question de Son. C'est un putain de studio à Paris. Toujours content de venir ici. Merci aux musiciens. Merci à Sébastien Marquet. Merci à tout le monde. Continuez de nous suivre sur YouTube. Peace! Turn it up real loud.